Bonsoir, bonjour, mes vierges, ça dépend à quelle heure vous me regardez. C'est Nati, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Assez, passé? Yona. Ah, c'est ma petite chienne. Ok, c'est parti en arrière. Est-ce qu'on peut... Là, c'est pas fixé. C'est pour ça. Excusez-nous. Petit Voilà, ajustement. c'est bon. On a ajusté là? Non, il y a un truc là qui va pas. Pas toucher trop la table parce qu'après ça fait bouger. Ok, on est en live, on est en direct. Non mais c'est C'est comme bon. ça. C'est bon, bon, bah excusez-moi. Attention au pied. Oui, d'accord, je touche plus rien, je bouge plus. Donc voilà, je suis toute sage. Alors mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. On va regarder un petit peu le joli mois de mai. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on a? Avant tout, je tenais à vous remercier pour les personnes qui s'abonnent, ceux qui se sont abonnés, ceux qui vont s'abonner. Il y a une petite cloche, il faut l'activer. Vous avez une encoche où ça fait comme un V, il faut appuyer dessus et choisir toutes. Et c'est comme ça que vous avez toutes les notifications quand je poste une vidéo. Vous êtes tenu au courant de cette manière. Merci pour aussi vos petits cœurs, ça me fait plaisir, les petites fleurs, les petits trèfles et tout. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes aussi. Merci d'exister, mes chères vierges. Voyons voir ce qu'on a ici. Allez, je démarre pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour mes vierges. Solaire, lunaire, Vénus, ascendant. Peut-être vous regardez ce signe pour quelqu'un aussi, c'est possible. Ok, la cohérence, elle revient. Je l'avais, mais je les ai mélangés, mais elle revient la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, immédiatement. Il faut un réalignement, mes amis, et puis revenir à la source, aux valeurs. À vos valeurs, à vous, d'accord? Vos valeurs, vos principes, hein, vos valeurs profondes, vos principes, vraiment. Parce que là, ces derniers temps, peut-être, hein, il est possible que vous étiez plus à discuter. Bon, ça fait du bien de discuter avec différentes personnes. On s'est un peu dispersé, c'est possible. Mais au final, les paroles, il n'y a rien de concret. Voilà, il faut acter dans la matière, c'est ça quoi en fait. Hein. Et puis un réalignement, là ici, il y a quelqu'un qui va se réaligner, qui va se réajuster, rééquilibrer. On vous dit l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne croyez pas que vous êtes entravé, non, non, pas du tout. Donc il y a quelqu'un, peut-être pendant 17 ans, hein, pendant 17 ans peut-être vous vous êtes dit, parce que j'ai le 17 ici, donc vous vous êtes dit peut-être que vous étiez entravé dans un pays, dans une région, dans un endroit avec une personne, peut-être pendant 7 ans, peut-être 1 moins 7, 6 ans, peu importe, mais en tout cas ce qu'on vous dit, c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez réellement. Et là, il y a plus que besoin, ça urge, d'accord? Donc ça urge, voilà. Là, c'est plus justement les paroles de dire, tiens, je vais le faire ou j'aimerais, c'est je vais le faire et je vais tout faire justement pour sortir de cette entrave qui n'en est pas une finalement, hein, mais qui peut-être l'a été un temps, mais où aujourd'hui c'est terminé, hein. Vous ne vous laisserez plus enfermer. Au contraire, on prend de la liberté et on s'en va, hein, d'accord? On a un château sur un nuage, d'ailleurs. Et puis, il y a la baguette magique. Ah non, excusez-moi, c'est une corde. Ok. On a une petite fille qui tire ce château vers elle, hein, finalement, hein, d'accord? Ou alors, elle va monter à la corde. Hein, peut-être elle est assez grande pour monter cette corde. Pour atteindre ce château, parce qu'elle le veut, ce château, hein, d'accord? Donc en dessous, la pluie, elle était entravée avec ce mauvais temps, on va dire ça comme ça. C'est terminé, c'est l'éclaircissement, justement, hein, les nuages vont partir de votre vie. Donc,
qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bah, vous allez vers ça en fait. Hein, c'est terminé. C'est une nouvelle version de vous-même. Il y a un nouveau vous. Et c'est ce que j'ai. On va voir tout de suite la suite pour mes chères vierges. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Vous allez quelque part, d'accord? Ne soyez pas focalisé sur votre passé et là où vous êtes. Que ça soit au niveau du travail, au niveau du sentimental, au niveau d'une situation par rapport financière, au niveau d'un lieu de vie, peu importe. Ne sois pas focalisé là d'où tu viens. Mais plutôt sur là où tu vas. Vous allez quelque part, mes chéris. Et il n'y a plus rien qui va pouvoir vous entraver, justement. Il n'y a plus rien qui va pouvoir vous encercler, vous empêcher. C'est comme si, en fait, on casse la coquille d'œuf et c'est la naissance. Je ne vais même pas dire la renaissance. Là, maintenant, je vous dis, c'est la naissance. D'accord? Ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous concentrer sur votre vie, sur vous. Parce que vous ne pouvez plus maintenant. En fait, si vous voulez, là, c'est simple ce que vous allez faire. Hein. C'est que, en fait, je pense que vous allez. Déjà, vous me sortez de la rétrogradation de Mercure qui vous a impacté quand même, mes vierges. Hein, vous le savez très bien. C'est notre planète, puisque moi, je suis vierge, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, en fait, on était en introspection, à réfléchir sur l'avenir. On a été pas mal bousculés aussi, c'est voulu. Hein. Des fois, vous savez, à l'intérieur de nous, c'est comme si vous vous mettez dans une machine à laver. Et que le cirque, il tourne, il tourne, et vous dites, mais c'est quand que ça va s'arrêter? Vivement que je sors de là. Et une fois que vous sortez propre. Donc, il y avait besoin d'assainir, il y avait besoin d'enlever certaines choses pour laisser que ce qui est sain, que ce qui est bon. On part sur des bases nouvelles. Parce que tout ce qui était des ruines, ah ben, si vous avez votre vie, admettons, votre situation, si elle était basée sur des ruines, c'est normal que la structure, elle va se casser, elle va s'effondrer. Et là, il y a un effondrement, il y a un chaos voulu, hein, d'accord, de la part de certaines personnes. Donc, vous allez déconstruire pour construire, je dirais, ailleurs, ou comme il se doit, ou avec une autre personne. Hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Donc, je regarde un petit peu. Allez, je commence. Je commence par la carte la carte dorée, pardon, excusez-moi. Ok, ça marche. Par la carte dorée, vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein. C'est cette carte dorée. Et en fait, on vous dit, là, le roi de, excusez-moi, Knight, c'est plutôt le cavalier, ouais, c'est pas King. Knight, le roi. Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi. Le cavalier de coupe. D'accord? Le cavalier de coupe, si vous voulez, lui, en fait, c'est vrai qu'il est idéaliste, rêveur et tout ça, vous voyez. Mais lui, il défend ses valeurs. Hein? Donc, on revient, en fait, encore une fois, aux valeurs. Hein? Donc, vous allez défendre vos valeurs. Vous allez défendre vos envies. Ça va plus être de l'imaginaire, vous allez voir la suite, hein, puisqu'on a cette carte dorée, on est dans l'abondance, on est protégé, on est même guidé, d'accord, vers une nouvelle vie, vers le changement, mais radical, vous voyez, c'est pas le petit changement, hein, c'est vraiment radical, hein. Ici, vous êtes guidé, vous êtes aidé, hein, d'accord, parce que ici, on a besoin d'améliorer sa vie. On a besoin d'amitié aussi, d'aller vers les gens, vers le social, enfin social, vers la société plutôt. On a besoin d'améliorer une situation. Là où il y a des manques, on va justement boucher les trous définitivement. Pour plus qu'il y a ce vide, vous voyez, pour plus qu'il y a ces trous-là, hein, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, le 3 de Pentacle, c'est une amélioration. Après, vous pouvez très bien améliorer aussi,
par exemple une formation, voilà, s'il y a besoin, se former. Ça, c'est possible aussi. C'est aussi le 3, c'est de construire, de réaliser, de concrétiser. Je vous ai parlé de tout ce qui est concret, de foyer, de projet, de produire, de travailler en équipe. Ils sont à 3 là, 2, 3, hein, ou en tout cas, ça peut être à partir de 2. 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez aussi seul, hein. En tout cas, vous avez besoin là, vraiment, vraiment, si vous voulez, de... Comme si... Comme... Alors, je vais m'exprimer. C'est comme si, en fait, c'est comme si on a une toile, d'accord, une peinture, et qu'on l'a démarrée, et puis à un moment donné, ça a bifurqué. Et on a changé de style ou d'endroit, peu importe, hein, ou de lieu de vie ou d'emploi, et qu'on est resté bloqué pendant des années avec cette personne ou ce lieu de vie, et on s'est senti entravé, enclavé, vous voyez? Et là, en fait, on termine son chef-d'œuvre, d'accord? Parce que justement, ce chef-d'œuvre, là, ça y est, il est temps que vous brilliez, il est temps de le terminer, mais en beauté. Là, en fait, la suite qu'on va rajouter, admettons ici, ça va être ce que vous désirez réellement. Et vos valeurs profondes, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous ressemble davantage et que vous allez être en accord avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça qu'ils n'arrêtent pas de parler de valeurs. D'authenticité, vous voyez, quelque chose d'authentique, quelque chose que c'est vraiment vous, ça. C'est terminé, en fait, par rapport aux autres. Et peut-être même, si on doit faire ce fameux ménage du printemps, on va le faire et le refaire s'il le faut, mais c'est terminé. On va regarder. Moi, je pense que le mois de mai, vous allez préparer vos projets, vous allez préparer la suite, en fait. Hein. Mai est important pour vous. Voilà. Peut-être que... attendez, je vais toutes les poser. Je pense que pour atteindre cette carte dorée, d'accord, si le soleil aussi, hein, pour atteindre le soleil, vraiment ce soleil-là, cette lumière, cette joie, ce bonheur, hein, d'accord, il est là ce bonheur, hein, d'accord, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter d'avoir peur, vous savez de quoi vous êtes capable, il suffit d'enclencher la machine, de le vouloir au plus profond de vous, intensément avec ardeur et vous l'aurez, hein, d'accord? Mais arrêtez de vous sabrer, arrêtez de vous faire peur aussi, hein, d'accord? De toute façon, là, on est en mode réflexion, vous allez trancher. Hein. Il est possible pour certains de vous que vous êtes en pause au niveau du sentimental. Donc, mes célibataires, il est possible que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, un célibat pur et dur, ou alors que ça fait un moment. Et que ça a été voulu, ou alors le temps de guérir, vous voyez, par déception, de déception en déception, ou une déception. Du coup, vous vous êtes dit, j'ai besoin vraiment de guérir mon petit cœur, ou alors écœuré aussi de ce que votre autre hein, vous a fait, il ou elle, à vous de l'adapter par rapport à une rupture. Et pour d'autres, ça peut être une pause, comme ça peut être carrément. C'est terminé, c'est la rupture. Maintenant, je réfléchis. Et maintenant, qu'est-ce que je fais sans elle et sans lui? Maintenant, moi toute seule, en fait. Hein. Ça peut être ça ici, hein, parce qu'on est en pause, hein, mais on est en réflexion. Hein. À réfléchir, mais pour soi cette fois-ci. Hein. Vous allez trancher, mes amis, faire un choix très important. Très 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 important pour vous.
Voilà, vous allez vers quoi? Vous tranchez, vous décidez la sécurité, vous décidez la stabilité et de penser, alors pour certains, il est possible qu'on parle de retraite, hein, d'accord? Et que justement, vous réfléchissez un petit peu, bientôt c'est la retraite ou je viens d'être, de commencer ma retraite ou je vais vers la retraite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma stabilité, ma sécurité. Et si on ne l'a pas, qu'on a pris du retard parce que ça arrive, hein, on n'a pas tous la même destinée, même si on est vierge, eh bien, écoutez, ici, justement, on va vers la sécurité, la stabilité, d'accord? On va vers le 4. Hein. Il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent, vous l'attendez, cette rentrée d'argent, d'accord? Et que ça dépende aussi de cette rentrée d'argent. Et que ça vous prenne la tête en vous disant, mais c'est pas possible, ça vient pas. Il y en a qui dorment pas, il faut éteindre les lumières, mais pas que les écrans et tout ça. Vous êtes peut-être un peu trop sur le téléphone, des trucs comme ça, et ça vous empêche de dormir. D'autres, c'est parce que c'est des idées, vous voyez. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça m'étonne même que nous n'avons pas un 10 d'épée, parce que je vais ramasser une carte par contre. Un 10 d'épée, bon bah là on a un 10 de bâton, d'accord. 10 de bâton, ça a été dur. On peut parler, moi j'ai dit 17 ans, 6 ans, 7 ans, on peut parler de 10 ans, 10 ans, 20 ans, ou plus, hein, au moins, mais ça a été dur pendant longtemps, pendant très 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 longtemps, d'accord. Donc du coup, en fait, si vous voulez. Là, c'est qui que je ramasse? C'est le page de coupe. Ok, je vais le mettre là. Le page de coupe. C'est possible que, en fait, si vous voulez. C'est possible que ça a été dur. Je regardais les deux là. C'est possible que ça a été dur, d'accord? Que ça a duré. Que ça a été long. Que à cause de ça même, vous êtes devenu insomniaque. C'est possible que, parce que ça, peut-être que ça a fait travailler votre impatience et votre patience du coup, hein, d'accord. Et que en fait, là on n'en peut plus. Là on n'en peut plus parce qu'on a l'appel ici du cœur, la voix du cœur, l'appel du cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre cœur vous veut pour être heureux, heureuse, hein? C'est vraiment ça. Et c'est l'appel de la vie, c'est l'appel du divin aussi qui vous dit qu'est-ce que tu veux? Là, si tu veux, tu peux tout arrêter ces difficultés, cette vie difficile et je peux t'aider à atteindre justement ce bonheur, cette coupe-là, vous voyez? Le page de coupe, il tend une coupe. C'est pas n'importe quelle coupe, hein, d'accord. Donc, voilà. C'est qu'est-ce que ton cœur a envie, justement, hein, d'accord. Et donc, en fait, se focaliser sur soi et se libérer, hein, carrément. Parce qu'un 10, c'est dur. Hein, on a 10 bâtons ici. C'est pas facile. Hein, c'est lourd. Mais il est courageux. Il est encore debout, hein, d'accord. Mais il a du mal à avancer, vous n'en pouvez plus, vous arrivez à un stade, de toute façon vous n'en pouvez plus, donc on lâche prise, mais le 10 c'est la fin d'un cycle, mais qui a été long voyez-vous. Mais n'oubliez pas que le 10 c'est la fin, mais c'est aussi le début, derrière le 10 on a quoi? Le 1 et le 0 ça fait 1, donc on a une nouvelle vie qui nous attend, on a un nouveau cycle qui nous attend. Tac, ouais, vous étiez dans la tristesse, vous étiez malheureux, vous voulez quitter tout ce qui est malhonnêteté, méchanceté, la pauvreté, les manques, les pertes, l'endurance, vous voyez, la souffrance, les émotions, vous étiez d'une tristesse, vous étiez pas pendant, je sais pas, ces 10 ans, hein, d'accord. Plus ou moins, mais ça, c'est à vous de l'adapter chacun, chacune. Il y a un choix qui s'avère très, très, très important, d'accord. On va jongler, ça ne va pas être évident, ça, c'est vrai. Mais regardez,
on déconstruit pour construire. Il est possible qu'on me parle de déménagement ici, d'expatriation, de quitter un travail où on n'en peut plus, ou de foudroyer cette tour par rapport à une personne, de tout démolir, hein, d'accord, d'être capable, hein, de tout démolir, parce que aujourd'hui, bah, vous avez mis en route, ça y est, on a mis du charbon dans cette locomotive. Donc, du coup, en fait, voilà, il y a quelque chose qui se propose à vous. Il y a une opportunité à saisir, hein, d'accord. Il y a un nouveau départ, mes amis. Et on parle de rentrée d'argent aussi, hein, d'accord. En tout cas, ça parle de coup de foudre aussi en amour. Donc, on verra bien, hein, d'accord. On verra bien ce qui ressort. Voilà, le diable. Le diable, c'est les méchants. Le diable, c'est aussi, bah, écoutez, peut-être que vous avez été retenu, enchaîné, d'accord. Et que vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est l'enfer ici, moi j'en peux plus. Ou c'est l'enfer avec cette personne, je n'en peux plus. Je quitte tout ce qui est toxique, que ce soit des situations, des endroits ou une personne. Mais vous allez vers, n'oubliez pas, la voix de votre cœur. Vous allez vers, vraiment, vraiment, là, on va, comment vous dire, c'est comme si on a cette intuition, on le sent, que soit vous allez avoir un coup de cœur, le coup de foudre, c'est la même chose, soit vous allez démarrer une grande aventure qu'on va aimer de tout notre cœur, vous voyez, reine de bâton. À nouveau, vous avez la totale. À nouveau, vous avez cette carte dorée. Vous en avez deux carrément. La reine de bâton, vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez votre personnalité, votre charisme. Vous vous étiez éteint presque. Ben là, vous rallumez cette luciole. Vous savez pourquoi les gens ils sont jaloux de vous? Je vais vous dire, moi, pourquoi ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous parce que vous êtes une luciole. Vous êtes une luciole qui brille, vous voyez? C'est cette brillance qu'ils veulent, hein, vous voyez? Donc, en fait, là, ici, vous avez deux cartes dorées. Vous allez vers le soleil, vous allez vers la joie, vers votre luminosité. Vous allez vous rallumer, ce feu sacré de la vie. Cette locomotive, c'est pas du charbon qu'on va lui mettre. C'est du je sais pas quoi. C'est du je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous allez me trouver. Mais en tout cas, là, vous reprenez cette place. Et on va aussi, certains, vous allez vers le soleil. Regardez-moi ce tournesol là, ici. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers la joie. Vous allez vraiment reprendre cette place qui est votre trône à vous, en fait. Hein. Et vous allez reprendre de la vitalité. Vous allez reprendre de la force, de la niaque, yes. Oh, page, on tranche. Là ici c'est le combat et enfin la victoire. Écoutez, vous êtes bien bataillé, vous êtes bien défendu pendant tout ce temps par rapport à différents domaines de votre vie, j'ai l'impression, hein, d'accord, mais c'est magnifique. Regardez ce 10 d'épée de tout à l'heure. Ben en fait lui il s'est pas pris une épée, il s'est pris 10 épées dans le dos, 10 épées, 10 poignards, 10 épées. Et il est à terre, mais il est encore vivant, voilà. Donc, en fait, ça, c'est vous. Justice va être rendue. Alors, certains, vous attendez de l'argent, je le vois. Et d'autres, c'est la justice divine, hein, d'accord. Si on parle d'un karma positif, là, ici, vous allez vers ça, un karma positif. Il y a l'appel du divin. C'est, attendez, il y en a une autre. Waouh, 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 qui était caché, c'est le monde. Je vous dis, moi, je le sens fort, ce... Oh là là, ce... Écoutez, il y a des vierges, vous vous libérez, vous quittez le malheur, vous quittez le toxique, vous quittez quelque chose où vous étiez très, très mal, mal au point, vous n'aimez pas, vous n'étiez pas à votre place, là, vous reprenez votre place, vous allez être la guerrière... j'allais dire la guerrière de feu, on va dire ça comme ça, la guerrière du soleil, hein, d'accord. C'est beau ça, la guerrière du soleil. En tout cas,
Vous avez le monde vous appartient. Justice est rendue, hein, d'accord? Et bah, on a souffert hein, quand même, on nous a bien fait souffrir aussi, hein, d'accord? Mais cette personne, elle se relève, elle retrouve, elle va vers son équilibre, la justesse, hein. Elle va trouver cette juste place hein, qui lui revient. Regardez-moi ce monde, là, mais non, moi j'ai envie de rire, là, qu'elles sont puissantes vos cartes, et moi, comme ça me concerne, ça me fait super plaisir. Voilà, donc on a encore un as ici. Tempérez-vous, vous savez, faites pas n'importe quoi, justement, doucement mais sûrement. Mais moi, je connais les vierges, hein. Je le suis vierge. Hein. Les vierges, en fait, quand vous voulez, vous savez très bien ralentir et vous dire doucement. Je vais pas être moi, j'en veux plus de cette souffrance-là. Je ne veux plus de gens toxiques. Je ne veux plus tout ça. Donc, allez, oust, du balai. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse, heureux, avoir le bonheur et atteindre le nirvana, atteindre l'illumination, d'accord? Et faire ce que je veux avec mon cœur qui bat et qui chante la joie. Vous voyez, votre cœur, ça fait longtemps qu'il n'a pas chanté la joie, moi, je le sens. Et donc, en fait, si vous voulez, même s'il y a encore un petit peu de temps, parce qu'il faut s'organiser, il ne faut pas faire n'importe quoi, se précipiter, faire n'importe quoi et après faire des bêtises, et ben prenez tout le temps qu'il vous faut. S'il faut rajouter encore un mois de plus, rajoutez un mois de plus. S'il faut rajouter 3 mois, rajoutez 3 mois. Ce n'est pas grave, c'est pour que les choses soient bien faites. Vous voyez, à la fin, c'est que vous obtenez ce que vous désirez. Et c'est aussi d'équilibrer. Encore une fois, vous allez vous rééquilibrer. Là, c'est de prendre cette décision. Hein. Ça y est, on prend la décision parce qu'on est dans le doute. Voilà, on se dit... mais pourtant, elle, si elle écoute son cœur, ça y est, elle n'est plus dans le doute, vous voyez. Donc, là, ici, lui, il, justement, le page, il est intéressé par autre chose. Il s'en va avec son bâton. Il sait qu'il va partir. Là, pour l'instant, il est debout. Il est sur place, il va démarrer. Avant-marre, prêt, feu, partez. Vous savez pourquoi vous partez? Parce que votre luciole a besoin de plus de lumière, plus de bonheur, justement. Et vous vous rallumez. Vous avez besoin d'amour, hein, parce que vous êtes amour. Vous allez trancher, trancher, vous allez trancher. Il y a de l'argent, hein. Vous allez vers l'abondance financière aussi. Hein, et vous allez là... vers vous faire plaisir, c'est vous qui comptez, et tellement que vous êtes dans le bonheur, que cette coupe de vos émotions, bien en fait, cette coupe, elle déborde de joie, de bonheur et d'émotion. Et c'est ça, en fait, moi, c'est ce que j'ai. Hein. C'est l'appel du divin, c'est la renaissance, c'est la sève à l'intérieur de vous, vous la sentez, hein, quand je vous parle là, vous la sentez, cette sève, elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, c'est la renaissance, hein, d'accord? C'est les bonnes nouvelles. Ici, vous pouvez, certains de vous, il n'y a jamais la justice, le jugement, le verdict et l'argent. En tout cas, vous partez. Vous partez, c'est terminé, là. Vous partez et vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Parce que, voilà, 10 d'épée, 10 de bâton, ben, en fait, on a pris un petit peu... Ben, on a pris, on va dire, j'ai pas envie de dire un coup de vieux, mais en tout cas, on a pris, quoi. Et donc là, on va se donner de l'amour, on va se rétablir, se ressourcer, guérir, on va s'occuper de soi, s'apporter énormément, se privilégier. Il y a un déclic chez mes vierges, hein, d'accord, qui est très important. Vous partez. Quoi qu'il arrive, on ne vous retient plus. C'est terminé. En fait, il y a un déclic chez vous. Il n'y en a pas un, il y en a 10 000. C'est terminé, on ne peut pas vous retenir. C'est le triomphe, le succès. Et encore une fois, c'est l'abondance. Voilà, je pourrais continuer que ça continuerait. Vous allez vers une récolte, hein, d'accord? Vous allez vers une récolte. Bon. OK. Vous n'avez que des as. Vous avez la roue qui tourne enfin. Vous n'avez que des as. Bon, j'arrête là. Il y en a qui vont rencontrer l'amour. Il y a des accords ici. Vous partez. Alors, vous ne savez pas très bien comment ça va se passer, mais vous partez.
Parce que vous savez pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, vous vous connaissez par cœur, vous avez confiance en vous et au divin, d'accord? Vous avez cette intégrité, cette foi, hein, de toute façon, la reine ici, ok, ça marche. Vous avez un tirage, mais puissant, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas eu. Moi, pour moi, il y a des gens, vous êtes victorieux, vous êtes bien battus, je vous dis, vous reprenez votre place, vous allez dire, mais en fait, là, maintenant, il est temps, ça suffit. C'est comme si vous avez hiberné des années, et que aujourd'hui c'est terminé, vous sortez de votre grotte et que vous vous réveillez comme la belle au bois dormant. J'allais dire autre chose parce que c'est pour ça que je cherchais, mais qui se réveille 1000 ans plus tard, façon de parler, vous, c'est peut-être des années. Et là, on va vers la victoire, hein, la victoire avec les lauriers. Les lauriers sont là, mes chéris. D'accord? Et la couronne de laurier, hein, d'accord? On l'a deux fois. Et on a ces bâtons, ce 6 de bâton. On est fiers de nous, fiers et droits. Regardez-le comme il est droit. Les gens l'applaudissent. Et victoire, quoi, en fait, hein, d'accord? On va briller aussi. Et puis, c'est la satisfaction, hein, d'accord? Il est possible que vous devez... cachez aussi vos projets, ce que vous comptez faire, bouche cousue pour que tout se réalise. De toute façon, pourquoi vous allez en parler tant que c'est pas fait et tant que vous n'êtes pas bien installé et tant que ça n'a pas démarré. Voyez, donc là, vaut mieux cacher, mais vous allez vers un grand, grand bonheur. Vous allez vers une réalisation, une satisfaction, un triomphe. C'est gigantesque ce qui vient à vous. Donc, même... Là, moi, pour moi, le mois de mai, je pense que tout ce que je vois là, j'aurais pas dû dire mois de mai. J'aurais dû dire mai, juin, juillet, août, septembre même. Vous voyez? J'aurais dû faire ça, mais c'est pas grave. Parce que je vois toutes les étapes. Là où vous allez, ce que votre cœur a envie, donc ça va pas parler à toutes mes vierges, ça va parler à uniquement les vierges, parce que si ça résonne, si ça vibre, ça résonne en vous, c'est pour vous. Nati et les guides vous parlent à vous. Les messages sont pour vous, d'accord? Mais c'est terminé la galère, c'est terminé la souffrance, c'est terminé de donner des énergies comme ça, de les distribuer aux autres. Vous n'êtes pas fait que pour ça, dites-vous ça, ne l'oubliez pas. Vous vous êtes trompé là quelque part. Alors ne regrettez rien parce que vous êtes des êtres magnifiques et généreux. Mais là, maintenant, on garde les énergies pour soi. C'est devenu même vital, hein, je vous dis honnêtement, c'est de l'urgence. Parce qu'avec ce 10 d'épée et le 10 de bâton, j'ai pas 11 épées si vous voulez. Vous êtes arrivé au maximum, vous ne tiendrez pas le coup sinon. Là, il y a besoin de ce changement et que ce cœur, il s'ouvre à nouveau, vous voyez, et que cette lumière... à l'intérieur de vous, elle scintille. Je vous parlais de luciole, hein, parce que vous êtes une luciole, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, en fait, ici, c'est très, très puissant. Et puis, deux cartes dorées, vous êtes super protégés, vous êtes guidés et vous allez vous réaliser. Alors, bien sûr que vous allez réfléchir. Je pense au mois de mai, vous allez bien réfléchir comment faire, analyser. Ça, c'est la Vierge, hein, d'accord? Faire de la prospection, chercher aussi certains sur internet, sur des cartes, sur des vidéos, des renseignements, vous voyez. Mais vous allez vers quelque chose d'énorme là, d'énorme, d'énorme. Bon, c'est génial. Mais n'empêche que toutes ces années, vous avez perdu le sommeil. Et le sommeil, vous allez le retrouver une fois que votre cœur sera comblé. Et vous allez vers presque le bonheur total ici, hein, d'accord? C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et certains, vous attirez une grosse somme d'argent, hein, d'accord? Et d'autres, en fait, de toute façon, vous me quittez tout ce qui est toxique. Vous avez jonglé, hein, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Il y a eu des gens qui vous ont trahi. Vous avez connu... des situations de maigre vache et là vous reprenez du poil de la bête et c'est vraiment comme si je vous disais c'est fini là,
on quitte ces émotions de tristesse, vous allez vers le soleil. Je suis même étonnée, pour moi, c'est deux soleils qu'on a. Je suis même étonnée que j'ai pas le soleil. Ouais, regardez ce que vous avez. Vous avez la transformation, d'accord? Vous avez la transformation. Ça veut dire que vous êtes en train de vous transformer et il n'y a rien, plus rien va vous arrêter, d'accord? Lui, il tranche tout ce qui est devant lui, d'accord? Tous les obstacles. Donc, vous êtes en transformation, mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une souffrance. Vous avez tenu bon, vous avez tenu le coup et vous allez vers une nouvelle ère d'abondance et de joie. C'est ce que j'ai en tout cas. Et regardez ce qui suit, il est là ce soleil, hein, d'accord? Vous avez le 10 de coupe, le bonheur total et vous allez vers la sécurité, vous allez vers la stabilité. Il y a encore un soleil ici. Vous allez tellement vers la lumière, c'est puissant. Vous allez vers, en fait, si vous voulez, un événement dans votre vie majeur. Vous allez, je vous ai dit que vous allez vers l'abondance, la joie, le bonheur. Votre cœur va sourire, votre cœur va chanter l'amour, la joie. Et vous allez ici, vous allez fêter, hein, vous allez fêter, hein. Il est possible aussi que certains de vous, la force, vous la retrouvez, hein. Voilà, il y aura des choix à faire, d'accord? Et puis la vie, elle s'accélère, il y a des communications ici. Il y a plusieurs portes, plusieurs coupes, hein, d'accord? C'est les portes de la destinée, les portes sacrées de la destinée, d'accord? Ici, on a un espèce de, je ne sais pas trop quoi, je ne le vois pas très bien, mais on dirait un dragon, un serpent, je ne sais pas très bien. Ici, on a la coupe laurier, la coupe de l'abondance. C'est comme la corne de l'abondance. Ici, on a des pics, on peut se piquer. Ici, je ne sais pas trop, d'accord? Donc, en fait, ici, on a le serpent qui sort. Donc, en fait, il y a différentes portes sacrées, différentes coupes. Il y aura un choix à faire. Il faut choisir la meilleure coupe qui vous convienne à vous, d'accord? Vous allez négocier certainement. Ça se trouve, vous allez m'acheter un bien immobilier comme... vendre un bien qui était difficile à vendre, vous allez vous expatrier, déménager, quitter un travail. Vous allez travailler beaucoup au mois de mai. Hein. Ça va finir par payer. Et là, vous êtes dans la totale, totale, totale abondance. Et c'est vos émotions. En fait, là, vous ne pouvez pas être plus heureux que ça. C'est vraiment, vous vous rapprochez de l'idéal. L'idéal, le parfait n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher, d'accord? Vous allez vers un 10 de bonheur total, d'accord? C'est magnifique, je vous dis franchement, c'est... Regardez, il faudrait être en gratitude, mes chéris, nous, ne l'oubliez pas, moi je sais que vous n'allez pas l'oublier, d'accord? En gratitude, hein, vraiment, vraiment. Et vous allez, ça y est, vous partez, il y a un voilier ici, la fluidité, hein, d'accord? En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous allez même être aidé quand il y aura certaines... Peut-être les lenteurs, c'est ça là. Quelques petits obstacles. Mais ce n'est pas les obstacles que vous avez connus. C'est rien du tout. C'est peut-être que vous allez trouver une personne qui va vous aider. Admettons un exemple. Vous avez besoin, vous voulez louer un appartement, non, on va dire une maison, vous voulez louer cette maison-là et que vous êtes seul, bah vous allez trouver le garant. C'est un exemple, hein, vous voyez. Donc, voilà. Et pourtant, vous allez vous dire, bah oui, mais moi, par exemple, j'ai personne qui veut se porter garant pour moi, bah vous allez trouver un système. Voilà. Peut-être que la personne, finalement, si vous lui dites, mais moi, je suis seule, madame, je suis remis sans famille, enfin, je suis seule. La personne, elle va vous regarder, elle va vous dire, bon, ok, vous ne me faites pas de bêtises, vous me réglez le dépôt de garantie, plus l'entrée, et puis je vous fais confiance, je vous fais un bail peut-être de un an. Si au bout d'un an, ça va, ben, on le reconduit. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la personne, elle va s'arranger avec vous comme ça. Mais il y aura des aides de là-haut aussi, c'est puissant.
pour arriver enfin à ce que vous désirez. De toute façon, vous n'en pouvez plus, hein. Et vous sentez que vous méritez le bonheur, et bien sûr que vous méritez cet énorme bonheur qui arrive là. Maintenant, il ne va pas se faire seul, bien entendu, on le sait très 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 bien. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais vous allez maintenant vous regarder vous et vraiment vous dire, aujourd'hui, j'arrive à un stade où j'ai besoin de goûter à la vie, de goûter au bonheur, de sourire à nouveau et de briller à nouveau, voilà, et puis de chanter comme vous faisiez avant. D'accord? Et même votre cœur, vous aimez la joie, vous êtes des gens solaires en vérité. Même si vous habitez au pôle Nord, vous avez le soleil dans votre cœur. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas terminé, hein. Je dis voilà. Alors, vous avez l'aide de vos animaux aussi, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ici, on va faire qui? Allez, on va faire mes célibataires, on va regarder ce qui se passe pour mes célibataires vierges. J'avais dit 12-13 minutes environ, mais... Alors, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Mais rien n'arrive sans raison. Donc en fait, ici, écoutez, on va vers vous avez connu une personne obscure, alors obscure, une personne toxique, aussi une personne dans le sens qui vous a éteint la lumière, qui vous a éteint la joie. Vous avez connu aussi une personne qui vous parlait pas. Elle n'était pas franche, cette personne. Vous voyez, elle n'était pas franche. Donc du coup, en fait, vous saviez pas où vous alliez, du coup, avec cette personne. C'est ce qu'on vous dit. Et ici, tu es un ange de lumière. Qu'est-ce que je vous ai dit, la Luciole? Tu es un ange de lumière. Hein, c'est vous. Hein. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être énorme. Ça va être quelque chose, mes vierges, d'accord? Après avoir souffert, d'accord? Oui, il y a l'espoir. Ayez l'espoir. Ayez la foi. Gardez la foi. Et pour certains et certaines, vous l'avez toujours gardé. Même quand vous étiez au plus mal, hein, d'accord? Vous l'avez toujours gardé. C'est pour mes célibataires. On est bien d'accord, hein? Vous vous êtes oublié, vous vous êtes égaré à cause de bah, cette personne. Mais sachez que rien n'arrive sans raison et au hasard. De chaque situation négative, vous tirez du positif, vous en tirez grandi, vous en sortez grandi, d'accord? Donc ici, vous allez vous occuper de vous, il est temps. D'accord? C'est le moment. Pourquoi c'est le moment? Parce que vous étiez à l'arrêt, parce que on vous a illusionné, vous vous êtes vous-même persuadé, illusionné. Donc là maintenant, très bientôt, on vous a fait mal à votre cœur, hein, d'accord? On vous a fait mal à votre cœur, hein? On le voit bien ici, hein? Ouais, il y a eu des ruptures, il y a eu des difficultés, d'accord? Il y a eu des gens qui vous ont trahi, hein, d'accord? Je ne sais même plus comment les mettre, hein, je vais les mettre comme ça. Des ruptures qui vous ont fait très 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 mal, mais ça vous a fait grandir, hein, d'accord? Ça vous a fait aussi... je ramasse celle-ci en même temps. Pardon. Donc en fait, vous allez de cette rupture, de ces ruptures, de ce monde d'illusions, on vous a illusionné, il y a eu des fausses promesses. Il y a eu beaucoup de souffrance. Vous vous êtes perdu vraiment en route, hein, comme on dit. Mais là, vous allez vers un bonheur, la sincérité. Dans peu de temps, c'est ça, hein, on va être en couple. Hein, et ça va être l'amour, mais l'amour énorme, l'amour sincère, le véritable amour. Vous voyez, là, c'est vous et là, c'est l'autre personne. Et donc, vous me faites ce cœur, en fait. Il y a cette rose magnifique. Hein. C'est marrant, parce que là, je les ai cachés. Mais regardez la couleur. C'est la semaine dernière, c'est la même couleur. C'est sauf que là, ça y est, elles sont passées. Donc,
Je vous en achète ce week-end. Elles sont magnifiques, purées. Pourquoi? Parce que vous guérissez, mes amis. Hein. La terre, elle est craquelée. Hein. Ah, ça, le 10 d'épée, il est là. On le voit. Vous avez souffert. Hein. Mais vous allez vous ouvrir à l'amour. Hein. Ça y est. Hein. Ça y est. Hein. C'est le feu vert. Hein. C'est la légèreté. Hein. C'est la douceur. Hein, d'accord? Et on va démarrer une relation. Ben, c'est formidable. Vous reprenez du poil de la bête. La jalousie, la méchanceté, la solitude, la communication, nanana, on part. Je vais garder celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous allez être attiré par une nouvelle personne. Par une nouvelle personne, d'accord? Je vous connais, moi, les vierges. Même là, le poussin, il est fragile. Cet amour-là, il va falloir le faire grandir. Mais vous serez dans la prudence, hein, quand même, parce que par rapport au passé, tout ce qui vous est arrivé, hein, d'accord? Donc, vous serez dans la prudence, mais vous avez tellement besoin d'amour qu'on vous enveloppe. Parce que vous avez tellement donné, vous voyez comme ce petit poussin là, c'est ce qu'ils font, hein. C'est ce que la personne a fait avec ses deux mains en fait. Hein. En vérité, il y a une main d'homme, une main de femme ici, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. La petite main, la grande main. Et en fait, vous allez vers la rencontre, hein, cherchez pas à comprendre. Ouais. Et ben, vos ex là, ben, tant pis pour eux. Hein. C'est comme ça hein, la vie. Hein. Donc en fait, là ici, vous allez vers... l'amour, hein, c'est tout. Hein, voilà, vous allez vers l'équitable. C'est le karma positif. C'est la justice divine. Et vous vous libérez totalement des chaînes, des emprises, du passé. Hein, d'accord? Vous vous libérez totalement. Allez, qu'est-ce que j'ai je vais bien mélanger. Qu'est-ce que j'ai pour... je reprends celle-ci. Qu'est-ce que j'ai pour en couple ou en relation? J'ai soif, ma chérie, si tu veux bien m'apporter un verre d'eau, merci. Ah, regarde, j'ai le verre d'eau, mais il reste un petit chouïa. Excusez-moi, je bois de l'eau. Vous savez, avec les spots et tout, j'aurais peut-être pas dû mettre un pull, j'aurais dû mettre plutôt un sweat en coton. Avec les spots, qu'est-ce qu'on a chaud? Je vous dis pas cet été. Hein. Allez, en couple ou en relation? Ou en triangulaire, parce que ça peut arriver. Hein. Merci, chérie. Merci, mon cœur. Puis on parle, hein, les vidéos. Et puis j'ai mangé un donut au chocolat, moi. Hein. Donc, voilà. Hein. C'est ça aussi. Hein. Alors, soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. C'est magnifique ici. Et là, on vous dit aime et respecte. Ben, c'est ça. Hein. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et de belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Bon, alors. Peut-être que mes couples, en couple ou en relation, il y a eu du bise-bise. Il y a eu un petit peu, vous voyez, une petite dispute pour des broutilles, c'est possible. Et que vous m'avez fait la forte tête, têtu tous les deux. Personne ne veut lâcher prise. Mais en vérité, si on regarde les deux facettes, vous êtes tous les deux coupables. Non, mais je rigole. Mais du coup, j'ai fait peur à ma fille. Donc, du coup, en fait, si vous voulez... non, parce qu'elle est avec le casque en même temps. Donc, elle m'a regardé d'un coup. Il faut regarder des deux côtés, hein, d'accord? Chacun détient sa part de vérité, vous voyez? Chacun dit, maintenant, c'est moi qui ai raison. Maintenant, c'est moi. Donc, peut-être que c'est ça aussi, vous voyez? Chut, les secrets. Alors, voyons voir ce qui se passe, là, ici. En secret, en secret, en secret, quoi? Quelqu'un va partir en voyage, là, où vous préparez vos vacances d'été, hein, c'est possible aussi. En secret, vous les préparez peut-être. Résolution des soucis.
fait, c'est comme si j'ai quelqu'un ici. C'est bizarre ce que j'ai. Alors, soit vous êtes résolution des soucis, en tout cas, soit vous êtes remis ensemble et vous n'en parlez pas. D'accord? Ça, c'est possible. Vous n'en parlez pas. Ou alors, moi, je pense à autre chose. Je vais les remonter, vous inquiétez pas. Je vais les remonter de suite parce que je le dis, puis après, on fait autre chose. Notamment là, je vous tire les cartes. Je veux qu'elles sortent toutes et on oublie. Du coup, hein, ouais, je vais faire qu'un signe ce soir. Ben, c'est comme ça. Après, j'ai fait 5 signes pour la fin avril. Alors, soit vous partez en vacances ensemble et vous prenez la décision après les vacances parce que vous ne voulez plus que votre cœur soit enfermé, d'accord? Et au plus profond de vous-même, vous saviez qu'il y a une autre personne qui vous attend ailleurs, une âme sœur, et rien ne va plus en couple. Et quand il ou elle revient et que vous vous remettez ensemble... Ou que, par exemple, ou que on va régler les problèmes et puis on fait la paix et tout ça et que le naturel revient au galop au bout d'une semaine, 15 jours, 2 mois, 1 mois. Mais finalement, en fait, vous vous posez la question, mais pourquoi finalement il ou elle revient, hein? Et là, en fait, vous allez vous prioriser. Vous avez pu vous poser cette question, hein, d'accord? Moi, j'ai des gens, en fait, jusqu'à là, vous vous disiez toujours, mais peut-être parce que si elle revient ou si il revient, c'est qu'il tient à moi, c'est que si, c'est que ça. Mais en fait, cette relation, elle vous a usé au niveau du couple, hein, rien ne va plus, c'est les montagnes russes. Et donc ici, j'ai l'énergie, on va tirer le bon numéro, hein, d'accord? Et ici, on a la consultante, ou le consultant, hein, vous avez les deux polarités, hein, d'accord? Et en vérité, au plus profond de vous-même, vous savez que vous êtes promise à quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas promise, mais c'est l'univers qui vous a... Vous allez discuter avec cette personne, d'accord? Alors... pour certains, vous allez vous réconcilier, mais vous allez vous poser de gros questions par rapport à cette réconciliation, cette énième réconciliation, j'ai envie de dire. Et pour d'autres, non, ça n'a rien à voir. En fait, ici, vous allez vers un épanouissement. Votre cœur va s'épanouir, d'accord? Et vous allez bloquer, blocage karmique. Par rapport à la réconciliation, blocage karmique. C'est plus par rapport à l'amour, là, le blocage, il est. Du coup, c'est comme si il y a un blocage karmique pour la réconciliation. Ou alors, c'est vous qui cadenassez plutôt ce cœur-là, définitivement. On ne peut plus rentrer. Et vous dites non à la réconciliation, d'accord? Et vous allez prendre la décision, justement... Parce que vous avez une nouvelle personne qui arrive vers vous, avec qui vous discutez, vous allez échanger et vous allez vers l'épanouissement de la relation. Hein, d'accord? Vous allez beaucoup parler, communiquer. Et même, c'est possible que
Vous allez chez lui ou chez elle, ou lui ou elle vient chez vous. Hein. Vous... Ça parle de ça en fait. Hein. Ça parle de ça. Ouais. Moi j'ai ça. J'ai vraiment ça. Écoutez, vous avez eu tellement de chagrin en couple ou en relation avec cette personne. Elle vous a tellement fait mal. Elle vous a. Et que là, vous allez admettre la vérité. Même si elle vous fait mal, vous allez l'admettre. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous tourne le dos, que cette personne, finalement, il n'y a que des problèmes avec cette personne, et que des problèmes, vous en voulez plus. Et vous avez une autre personne ici, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas grave. Et vous allez prendre la décision, en fait, c'est une nouvelle naissance. Hein. Alors, certains, il y a une grossesse naissance, hein, mais d'autres, en fait, c'est une nouvelle naissance, ce nouvel amour. Et donc, vous allez dire non définitivement à se remettre avec un ex ici. Hein. Donc, on n'en est pas là. Ici, mais ça peut aller vite. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui va rompre, d'accord? La rupture, parce que vous avez un pervers ou une pervers narcissique, hein, d'accord? Le mois de mai, d'accord? Il y a les disputes, vous en pouvez plus, vous voulez progresser dans votre vie, hein, d'accord? Ici, j'ai le consultant, hein, justement. Il y a le divorce. Il y a le divorce et en fait, si vous voulez, il y a un lâcher-prise. Vous allez communiquer avec une nouvelle personne, rencontre amoureuse durable. Rencontre amoureuse durable. Donc moi, pour moi, vous savez quoi? J'ai quelqu'un là prochainement qui va prendre la décision d'arrêter de revenir avec cette personne. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et vous allez rencontrer une autre personne. Peut-être vous venez de la rencontrer, c'est possible, ou vous allez la rencontrer. Mais ici, moi, j'ai deux personnes ici. Hein, d'accord? Et pour certains, en fait, même des fois, vous n'avez pas tout de suite dit que vous vous remettiez avec cette personne en couple avec qui ça ne va plus du tout. Mais cette personne, elle vous fait tellement de mal, c'est elle qui vous fait les 10, qui vous met les 10 épées dans le dos. Et du coup, en fait, vous allez vers la rencontre amoureuse, hein, vous allez vers une naissance, hein, un nouvel amour ici. Hein, c'est ce que j'ai, hein, c'est le karma positif, hein, c'est ce qui vous attend en fait. Hein. Donc, c'est pas tout le monde ça, mais vous allez vers ça. Pour d'autres, en fait, j'ai un autre cas de figure. Il y a un trou de cacheterie. J'ai un autre cas de figure. Ici, j'ai la triangulaire. J'ai la triangulaire. Cette personne, elle vous tient cadenassée, mais elle va voir d'autres personnes. Elle discute avec d'autres personnes, d'accord? Elle vous tient votre cœur en cage, d'accord? Mais elle va en secret voir d'autres personnes. Elle discute derrière votre dos avec d'autres personnes, hein, d'accord? Mais en attendant, elle a une main prise comme tout à l'heure sur vous. C'est quelqu'un qui trompe, qui sait faire l'autruche aussi, qui fait son malin ou sa maligne, vous voyez. Et des fois, quand soit vous vivez sous le même toit et cette personne, elle vous boude, elle vous parle plus. Mais c'est même plus boudé ça, hein. Je lui tourne le dos, je la calcule plus. Et donc même vous vous dites des fois, mais c'est honteux de faire ça. Et, ou alors si vous ne vivez pas sous le même toit, la personne elle fait l'autruche. Donc en fin de compte, bah, elle ne vous appelle plus, elle vous laisse tomber, mais elle vous laisse revenir. Donc du coup, elle n'a jamais dit non. Du coup, voilà. Voilà, elle n'a jamais dit non. C'est pas dans son but de dire non. Son but, c'est de vous garder dans cette cage, vous voyez, cadenassée. Mais cette personne, elle en profite.
de faire le libertin ou la libertine dans le sens je fais le célibataire ou la célibataire. Je parle pas des libertins et libertinage, vous voyez, le libertinage. Je voulais dire. Alors peut-être qu'il est dans le libertinage et que vous ne le savez pas, hein, ça c'est possible aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais là c'est derrière votre dos. C'est trahison et tout ça. Mais en tout cas, qui fait le célibataire, hein, d'accord? Donc, ou la célibataire. Bon, on parle de divorce ici, hein. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous avez fait un gros travail sur vous, d'accord? Et ça y est, là, en fait, on est en train de s'ouvrir, on ouvre son chakra, d'accord? Chakra ici, plexus solaire, les émotions, hein, d'accord? Et du coup, bah, on a fait un travail dessus où on vous a aidé. Hein. Moi, je suis guérisseuse. J'ai plein de vierges qui sont sous rituel ancestral. Hein. Il y en a plein. Hein. Donc, printemps-été. Printemps-été, il y a le cadeau qui vous attend. Le printemps-été. Voilà. Bon, ma fille Maurice a l'air de dire, oh là là, maman. Il y a le printemps-été. Ça, il y a le cadeau qui vous attend. Ouais. Il y a des belles choses. Bon, par contre, ici, là, ouais, il y a quelqu'un qui s'amuse avec le cœur de quelqu'un et qui s'est amusé à le canasser, mais vous allez vous dire un grand oui à vous et vous allez me faire péter ses chaînes, hein, d'accord? Et vous allez vous libérer totalement de cette personne parce que vous le saviez, hein, de toute façon, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui vous attendait. Alors, bon, maintenant, ne regardez pas les cartes, il ou elle, ça c'est à vous d'adapter, d'accord? Ils l'ont fait comme ça, de cette manière, c'est pas grave. C'est à vous d'adapter il ou elle, je vous dis bien, par rapport à vous, on est d'accord, hein? Mais vous allez me faire péter ces chaînes, hein? Comme ici d'ailleurs, tiens, pour mes célibataires. Vous allez me faire péter ces chaînes et ouais, c'est ça, hein? C'est cette personne, à chaque fois. C'est comme si vous êtes devenu un automate, un robot, vous vous réconciliez et vous n'arriviez pas à vous déchaîner justement, puisqu'on vous a enchaîné. Mais cette personne, ce qui n'est pas sympathique, c'est qu'elle vous a mis dans l'illusion, elle ne vous a jamais dit non, part, au contraire. C'est comme si, par exemple, c'est un exemple. Hein, c'est comme si, par exemple, je suis avec toi, on se dispute, on se remet, mais c'est toi qui reviens à chaque fois. Je te dis pas non, on continue comme ça, mais par contre, je t'inclus pas dans ma vie. Je t'inclus pas dans ma vie. Surtout, je fais ce que je veux et les années passent, vous voyez. Et cette personne, elle vous a pas libéré. Et du coup, mais c'est un petit peu de votre faute aussi parce que vous ne vous êtes pas libéré par contre. Parce que la Vierge, normalement, et là, ici, vous allez reprendre le dessus, vous allez prendre votre place et votre force. Hein. Vous allez en fait vous retrouver avec vous-même, hein, d'accord? Tel un prince, tel un empereur, tel, voilà, et tel une guerrière, une princesse que vous voulez, mais forte, vous voyez. La force ici, hein, vous voyez, ces muscles, ce cœur, on prend de la vitalité ici, hein, d'accord? Et en fait, là, vous allez me faire péter ces chaînes. C'est terminé, on ne pourra plus jouer avec vous. Cette personne, elle vous a fait beaucoup de tort, mais elle s'est permis de s'amuser, de rigoler. Des fois, cette personne, elle se moquait de vous. Des fois, elle vous a dit, ouais, t'es jalouse, t'es pas normale. Elle vous a dit plein de méchanceté et c'est toi qui es pas normale. Tu sais, c'est comme ça chez tous les couples. Elle vous a vraiment dit n'importe quoi, elle vous a illusionné, mais c'est terminé. Vous voyez, elle vous a fait du mal, cette personne. Et elle vous a souvent tourné le dos et c'est comme si à chaque fois vous reveniez, vous, en fait, hein. Mais cette personne, elle ne vous a pas dit stop. Stop, en vérité, j'ai plus d'assez d'attrait chimique pour toi. J'ai plus assez d'amour pour toi.
Les choses ont changé depuis un moment et j'ai décidé qu'on arrête, vous voyez. De toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ici, hein, d'accord? Quelqu'un de bien. Voilà, bah écoutez, prenez que ce qui vous parle. J'avais le divorce aussi au passage. Certains de vous et certaines vous divorcez, mais vous allez reprendre votre niaque, votre force, hein, d'accord? Et puis, voilà, ne vous laissez pas faire, ce qui vous revient, ceux qui divorcez, ceux qui séparez les biens. Parce que des fois, la Vierge, elle est capable de dire « oui, je te laisse tout » et puis elle se retrouve à la rue sans rien. Non, c'est pas possible. Ou chez en galère chez les amis. Les amis, vous savez, ils vont vous prendre quoi? Une semaine, un mois, c'est la galère pour eux. Et pour vous, mais pour eux aussi. Voilà, moi par exemple, je suis habituée de vivre avec ma fille. Demain, je peux pas comme ça, du jour au lendemain, me mettre avec quelqu'un. Il faut vraiment chacun chez soi et petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, moi, c'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui s'est amusé, qui s'est moqué et qui a joué avec votre cœur, qui vous a vraiment fait du tort, du mal, qui n'a pas été franc, qui n'a pas été franc ou franche et qui vous a illusionné complètement. Et puis, c'est des fausses promesses et puis... C'est des fausses promesses, mais c'est aussi que cette personne, elle ne s'est jamais, jamais, jamais avancée finalement. Et donc, vous ne saviez pas où vous alliez avec cette personne. Hein. Vraiment. Voilà. Donc, écoutez, prenez que ce qui vous parle, mes vierges. Combien? Je ne vois pas. Waouh, j'ai cru voir 1h36. C'est pas possible. Bon, bah, je vous embrasse. Hein. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Gros bisous et bon mois de mai. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas. Et je souhaite, avec tout ce que j'ai vu en dessous, que ça parle et que ça soit pour un maximum de vierges. Voilà, dans le monde entier. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et de bienveillance. Gros bisous d'amour.